Nordic. Début avril 2022, retour d'hiver sur les championnats de France de ski nordique. La grand-messe a pour cadre Prémanon comme à chaque fois que les athlètes s'en reviennent des Jeux Olympiques. Sur les pistes du stade des Tuffes, où neige et bise ont fait oublier que le printemps avait déjà pointé le bout de son nez, les émotions ont déployé la large gamme de ce que le sport sait offrir. Des joies, bien sûr, des déceptions et des colères aussi, des larmes de bonheur, des yeux embués lorsqu'est venu le temps des adieux, des surprises, des sourires, des merci, de l'effort, beaucoup d'efforts et quelques souffrances, avec, durant 3 jours, le public pour témoin. C'est tout cela que nous allons vous raconter. Vendredi, sur le tremplin, nombreux sont ceux qui désirent plus que tout décrocher le premier titre de ces championnats de France, celui de la compétition par équipe de saut à ski. Dans des conditions pour le moins difficiles, où la neige est venue se mêler à la confrontation, les sauteurs 1 à 1 ont du mal à dompter le vent changeant du stade jurassien. C'est parti pour le sauteur de Pontus, Pontarlier, sur le tremplin des Tuffes avec Edgar Ballet. C'est pas mal pour Edgar. Un petit remarque au-delà des 75 mètres. Tout sauf le comité du Jura à domicile, les combinés Matteo Beau, 85, un petit peu plus loin, Marco Ennis et Laurent Multaler, accompagnés par la sauteuse de Chauneuf Joséphine Panier, prennent la médaille d'or au nez à la barbe de la Savoie, tenante du titre, menée par les habitués de la Coupe du Monde, Valentin Foubert et Mathis Contabu. Allez, Mathis. Allez, on va courir. Allez, Mathis, on encourage. Allez. Le Mont Blanc d'Enzo Milesi complète le podium. La catégorie U17 était également engagée tout au long du week-end, à l'exemple des biathlètes qui, le vendredi, ont assisté au sacre de Voldia Galmas-Paulin et Noé Sénard. Voldia Galmas-Paulin, champion de France et le doublé. En ski de fond, les finales du sprint skate ont offert des courses riches en spectacles. Les athlètes, éreintés après une longue et rude saison hivernale, ont eu à cœur de tout donner pour devenir champions de France. Du côté des seniors hommes, les absences des uns ont fait le bonheur des autres. À la surprise générale, c'est donc Gaspard Rousset, 21 ans, qui s'est imposé. Sur le papier, je me sentais pas en grande forme avec les deux phases d'avant. Et là, c'est les courses de fin de saison, je suis à France. C'est le moment de renverser la tendance et de faire mentir les gens et de saisir sa chance. Et je l'ai saisi aujourd'hui à la relance du balancier en prenant bien de l'élan. Et ça m'a été favorable. Touché par la disparition d'Enzo Ducouré en début de semaine, le jeune médaillé lui a dédié sa victoire. Un de mes copains qui est malheureusement décédé cette semaine en speedrunning. Donc je pense fort à lui et tout le monde a une pensée pour lui. Pour la médaille d'argent, le Cluse Jules Chapaz a devancé Arnaud Chautan. Charlie Rousset, quatrième, était lui aux premières loges pour suivre le titre de son petit frère. On retrouve Mélissa Gall pour le titre de championne de France. Elle se retourne, c'est gagné Mélissa Gall. Chez les dames, le duel entre Léna Quintin et Mélissa Gall s'annonçait passionnant.
aux prises en quart, en demi, puis en finale. C'est finalement la skieuse du pays rochois qui a eu le dernier mot. Mélissa Gall, auteure d'une grande saison avec notamment les Jeux Olympiques et les Mondiaux U23 dans les jambes, ne boudait pas son plaisir à l'arrivée. Aujourd'hui, je disais clairement le titre, mais surtout le U23, et que ça se conclut que sur le titre chez les seniors, c'est génial. Ça me fait vraiment du bien et c'est une concrétisation de tout le travail que j'ai mis cet été et tout cet hiver. Pour l'une de ses dernières courses dans l'élite, Enora Latuyère s'est-elle intercalée entre les deux jeunes femmes et a obtenu une médaille d'argent, quasiment au goût d'or. Je pense. Ah oui, là, ça envoie sérieux dans cette remontée du stade. Dans la catégorie U20, Mathis Desloges a respecté son statut. L'Isérois, dominateur tout au long de la journée, s'est imposé devant Yvan Essonnier, un succès qu'il doit à sa gestion de l'événement impérial. Il fallait être impliqué depuis le début de la qualif jusqu'à la finale, et puis voilà, il y a eu des gros concurrents, il y a eu tout le monde de France sous le circuit. Réunis, donc il y a eu du gros niveau et c'était bien cool. Très heureux, ouais. Simon Chapaz, le petit frère de Jules, vice-champion de France senior, a quant à lui complété le podium. À la lutte sur cette troisième position de départ. Quelques instants plus tôt, les féminines ne se sont fait aucun cadeau. Si la jurassienne Chloé Panier, victime d'une chute en demi-finale, n'a pas pu défendre ses chances, c'est bien Liv Kupa qui a fait respecter la hiérarchie. La porte-drapeau de la sélection tricolore au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne était ravie du sacre sur l'une des dernières épreuves de l'année. Oui, vraiment contente. Voilà, c'est la première fois en hiver sur neige, donc c'est cool. La féclasienne Capucine Richon et la biathlète de Megève Julie Marcignac ont respectivement décroché la deuxième et la troisième place devant France Pignot.